Onou. Mon roi. Quelle était la signification de ce que tu avais dit à la réunion? Avec tout respect, Igwe, j'avais parlé pour la cause et dans l'intérêt du royaume entier. L'intérêt du royaume entier? Qu'en est-il de mon intérêt propre? Vous faites partie du royaume dont j'avais parlé. Oh non. Ne fais pas ce que je regrette. La confiance que j'ai sur toi. Igwe, en tant que le honneur de ce royaume, c'est ma responsabilité de donner des conseils. Ne faites pas cette erreur que vous êtes sur le point de faire. Où se trouve l'erreur dans ça? Faire de l'un de mes fils l'héritier du trône est-il une erreur? Igwe, selon la connaissance que nous avons au sujet de vos fils, faire d'un de vos fils l'héritier apparent du trône, c'est comme rendre le trône à un étranger. N'oubliez pas, je suis le plus jeune au Nord et je sais ce qui est bon pour ce royaume. Ada! Papa! Papa, tu m'as fait appel? Ouais, bien sûr. Assieds-toi, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ma fille. J'ai quelque chose de très important à discuter avec toi. Je sais que tu es une enfant très têtue. Fille têtue. Mais pour cette question, si tu y sais ça, je te donnerai le choc de ta vie. Comme tu le sais, le Igwe est sur le point de prendre de ses trois princes un héritier au trône. Et le choix ne tombera que sur celui qui aura pris une femme. Donc, tu dois saisir cette opportunité pour épouser un des princes. Parce que je veux faire partir de la lignée royale. Et tu sais bien sûr à quoi je veux en venir. Papa, je ne comprends pas. Tu comprendras bientôt. Tu veux dire quoi par là? Tu essayes de dire que moi, Ada, que je dois aller me marier à l'un des princes? Non, je ne peux pas faire une telle chose, que Dieu m'en préserve. Papa, ces gens-là sont... Ferme ta bouche! Que sais-tu de la malédiction? Peu importe ce qu'ils sont, peu importe comment tu vas le faire, mais tu dois épouser un d'eux parce que je veux ce trône, cette royauté. Ada, ne comprends-tu plus ton père? Il est le Ono le plus savant dans cette communauté, le plus éduqué, le Ono le plus jeune. Ne vois-tu pas que j'ai besoin de ce trône? Mais papa, au juste, qu'est-ce que tu es en train de dire? Moi, ça ne me plaît pas du tout. Je ne peux pas faire une telle chose. Dans tout ce que tu dis, est-ce qu'il y a mon intérêt dedans? Moi, je ne veux pas m'embarquer dans une chose de ce genre-là. Je ne peux pas. Et puis, aucun de ces princes ne s'est intéressé à moi. Hein? Peu importe ce que toi, tu veux. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je ne me mettrai avec aucun d'eux. Et vous, vous voulez que je choisisse qui, non? Est-ce le voleur? Ou l'ivrogne? Ou alors le violeur? Moi, je ne peux pas faire une telle chose. Ah, papa, faut me laisser. Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, je dis pardon, il faut me laisser, je ne vais prendre aucun de ces trois-là. Tu me quittes? Le plus jeune au nord dans cette communauté, le plus éduqué, pourquoi ne devrais-je pas prendre ce trône? Même les dieux sont de mon côté. Il n'y a rien qui m'empêchera de prendre ce trône, parce que j'en ai besoin. Ah, la vie est belle. Oh, la vie est vraiment belle. Ça m'ajoute encore beaucoup de sagesse. Waouh. Ogo, Ogo, Ogo Chuku.
Jusqu'à quand? Hein? Ok. Écoute-moi, je pense que tu es clean. Que veux-tu dire, maman? Le temps est arrivé pour ton père de se choisir un héritier. Vous tous ici, vous êtes insouciants de vous-même. Mais comme cela ne suffit pas, vous ne cessez de m'étonner. Même toi, tu as tout vidé. Le boisson qui était mis dans la provision du palais. Gotchuko. Non mais maman, attends, essaies-tu là de me dire que je dois arrêter de vivre ma vie à cause des postes qui n'ont pas de sens? Excuse-moi, arrête ça. Tu sais ce que ça veut dire être un roi? Allez mon ami, dépose cette bouteille, écoute-moi. Laisse-moi t'éclaircir là-dessus, parce que je vois que tu ne comprends rien du tout. Écoute, quand tu seras le prochain roi, ça sera dans tes droits d'organiser toutes sortes d'événements dans lesquels tu vas te régaler et boire comme tu voudras. Oh, tu prétends être un bon fils avec tous ces remords que tu nous causes dans ce mauvais style de vie que tu as commencé à vivre, ça fait déjà des années. Jamais! Quoi? Je ne ferai pas semblant de plaire à qui que ce soit. Le trône est mon droit. Est-ce que tu es normal? Et personne ne peut me le prendre, même pas mon père. Mon fils, Ogotchuku, s'il te plaît, tu ne veux pas honorer la mère de ta vie en devenant une nouvelle reine mère d'un nouveau roi? Je t'en prie. Non, 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 maman, franchement, je suis fatigué de toutes ces bêtises. Que je prenne même une petite bière, tu en fais un problème. Ogotchuku. Maman, je n'aime pas ça, oh. Je n'aime pas ça du tout. Oh. À cause d'une petite bière comme ça, tu viens me sortir tout un livre. Bienvenue, ma reine. J'ai été surpris quand j'ai appris que vous êtes là. C'est une bonne chose, Ono. Ada. Papa. Apporte la liqueur qui est dans ma chambre. Je ne suis pas vraiment là pour ça. Tu peux le garder pour toi-même. Ça, c'est vrai. Ça va bien. Ma reine, la liqueur n'est pas pour... Bonjour. Bonjour, ma fille. Pas pour vous, mais pour moi. Il n'est pas sage de verser un verre d'eau dans l'océan dans le but de l'augmenter. Tu es vraiment un homme sage. N'est-ce pas que c'est vrai, fils? Exactement, mère. Tu es vraiment un homme sage. Nous sommes venus te voir pour une chose très importante. Je suis à l'écoute, ma reine. Ok. Tu connais mon fils ici. Il n'avait pas un bon comportement par rapport aux grandes personnes. Maintenant, il a changé. Voilà pourquoi nous sommes passés pour te le dire. Mon enfant a changé. Oui, il est maman. Maintenant un très bon garçon. Votre fils ne changera jamais. Non. Au fait, il y a même une rumeur qui circule dans toute la communauté au sujet du crime qu'il a commis il y a quelques jours. Tu t'es bien entendu? Tu parles du crime? Ce n'est pas vrai! Tu sais, les gens sont jaloux, envieux. Tu sais, ils font ça juste pour qu'ils ne soient pas héritiers du trône. Tu comprends? Ils sont juste envieux, hein? Ma reine. Oui. Il a même une rumeur qui stipule que le trône n'est pas le sien. Quoi? Est-ce que tu as entendu ce qu'il vient de vomir, maman? S'il te plaît, mon fils, calme-toi. Non, hein? Non, je ne peux pas me calmer. Ah, c'est à cause de ces cadeaux que mon frère te donne, hein, pour te surdoyer avec. Quoi? Me surdoyer, moi? C'est ce que tu penses? Maintenant, sors de cette maison, toi, violeur sanglant. Oh non. Hey. Mon fils n'est pas ce que tu dis de lui. Je t'ai bien dit que mon fils a changé. Qu'est-ce que tu le veux encore? Il a en bien changé, hein? Regardez-moi cet homme, hein? Hey, je vais te frapper tout de suite, hein? Hein? Ok, qui ai-je violé? Tu le sauras après la réunion de demain. Sors de cette maison! Maman, quittons d'ici. N'importe quoi. Oh non, honte à toi. Mon fils n'est pas un bandit.
Pour qui tu te prends vraiment toi, hein? N'importe quoi. Ada! Papa! Viens me porter cette boisson. Emporte-la, s'il te plaît. Ils vont apprendre de moi, le plus jeune Onou, l'implacable Onou dans cette communauté. Je vois le trouble arriver. Je suis déjà prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Cela veut dire que tu ne peux pas saluer? Bonjour, bon, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour ma chère. Ce n'est pas toi qu'on appelle Oluchi. Oui, c'est bien moi. Est-ce qu'il y a un problème? Pas du tout, ma chère. C'est juste que j'aime ta personnalité et tout ce qui te concerne. Et je veux t'épouser. Alors, s'il te plaît, dis-moi, quand dois-je venir voir tes parents? Non, faut même pas vous déranger. Faut pas vous déranger de voir mes parents parce qu'ils diront non. À part ça, j'ai déjà un présentant qui viendra demander ma main le mois prochain. C'est un prince? Non, il n'en est pas un. Mais c'est un jeune homme respectable et responsable. Merci. Écoute, jeune fille. Je suis le prince de ce royaume. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Donc, dis à ce jeune homme, quel que soit son nom, qu'il te laisse tranquille. Sinon, il me trouvera sur son chemin. Laissez-moi vous filer un petit conseil, Prince Tinedu. Rentrez vers cette personne qui vous a dit que mon nom est Oluchi. Demandez à cette personne de quelle famille je sors. Excusez-moi. Garde! Si tu penses que tu peux me déshonorer, je serai le premier à te déshonorer. Peu importe comment tu vas le faire, peu importe qui tu marieras, est-ce dans la tête, je veux ce trône. Papa, ce que tu fais vraiment, ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Oh. Toi-même, tu as bien entendu que l'un d'eux est un violeur et toi, tu voudrais que moi j'aille me marier avec lui, hein? Comment est-ce que tu peux vouloir que ton unique fille aille se marier avec un violeur? Moi vraiment ça me plaît pas. Est-ce qu'au moins vous m'aimez? Hein? Donc pour ton propre intérêt, tu veux que j'aille me marier à un violeur au risque de ma vie? Juste pour avoir un titre royal ou moi je ne sais pas quoi. Ferme ta bouche! Qui tu marieras n'est pas ce qui me concerne. Est-ce ça dans ta tête? Papa... Quitte ma présence! Disparais de ma vue! Oh, ce que tu fais, ce n'est pas bien, c'est pas bien. Penses-tu que c'est facile d'étudier à l'étranger? Au fait, à l'université Oxford, et je suis revenu dans ce village. Non, je dois obtenir ce trône. Je suis le plus jeune au nord, et très bientôt, ce trône sera mien. Je serai le ego de cette communauté, qu'il le veuille ou non. Qui a pris mon bâton d'honneur? Je le répète encore. Qui a pris mon bâton d'honneur? Hein? Igwe. Oui? Qui aurait pu toucher à ça par toi? Peut-être tu as dû laisser ça quelque part. Écoute, femme, je ne suis pas stupide. J'ai perdu mon bâton d'honneur. Qui a pris mon bâton d'honneur? Ifan, peux-tu me les donner? Comment ça, Igwe? Hein? Mais comment peux-tu me demander cette chose que tu appelles bâton? Père, je n'ai rien pris de ce genre. Ces bâtons d'honneur surveillent ta vie, espèce d'idiot. Donne-le-moi. Je dis donne-le-moi. Tu ne peux pas accuser mon fils d'avoir volé ton bâton d'honneur. Oh! C'est toi qui as pris mon bâton d'honneur? Père, je ne suis pas avec ton bâton d'honneur. Je ne suis pas avec... Igwe. Oui? Penses-tu vraiment que mon fils peut voler une telle chose? Est-il un voleur? Hey. Ce bâton d'honneur n'a pas été pris. Il a été volé.
Il a été volé. On l'a volé. Ok. Comme tu sais très bien qu'on te l'a volé, ça veut dire que tu connais la personne qui l'a volé. Pourquoi ne pas dire à la personne de te le donner? C'est très simple. Ah, mon fils, allons-y. Femme, ne quitte pas ma face comme ça. Maintenant, Ifaine, je t'en prie s'il te plaît, retourne le bâton d'honneur si c'est toi qui l'as pris. Au cas contraire, je jetterai une malédiction sur la personne. Pour ce faire, je donne à cette personne 48 heures et il sera maudit. Tu as mère de voleur. Oh, vas-tu te taire, oui? Mère d'un ivrogne. Oh, allez, dégage. Mère de voleur, retournez le bâton. Non. Je ne dis pas que tu as volé ça. Mais, si par hasard, tu sais où ça se trouve, va le retourner à son endroit initial. Pardon. Avant que ton père ne maudisse un innocent. Maman, je te l'ai déjà dit. Je t'ai dit que je ne l'avais pas vu. Hein? Je t'ai dit que je ne l'avais pas volé. Écoute, tu sais à quel point le père peut être distrait parfois. Tu le sais. Comment veux-tu que je te l'explique? Hey. Ok. Tu es en général bon à retrouver les affaires perdues de ton père. Trouve aussi celui-ci. Vas-y, fouille un peu partout. Hein? Trouve absolument celui-ci. C'est moi qui trouve ces choses perdues. Il faut que je trouve celle-ci aussi. On verra cette fois-ci. Je ne l'ai pas, même si je l'ai. Il doit payer de l'argent. Garde, apportez-moi quelque chose à boire. Hein. Je dois me mettre à l'aise. Je veux que vous alliez à la ferme et m'apporter quelques bois. Ok, maman. Toi, que veux-tu dire par ok? Maman, je viens de me réveiller. Je n'ai pas pu bien dormir la nuit dernière. On ira chercher les fagots de bois demain matin. Je n'en vais pas demain. J'en vais aujourd'hui. Maman, il refusait. Hein? C'est ce qu'il disait souvent. Toi, viens. Toi, tu dois fermer ta bouche. Arrêtez, mes enfants. Je suis arrêtez. Ton enfant. Tu ne dois pas me parler n'importe arrêtez comment. Arrêtez ça, j'ai entendu. J'ai compris. Arrêtez. Vous devez arrêter ça. Faut pas vous jamais, vous êtes des frères. Hein? Apportez-moi les bois aujourd'hui. D'accord, c'est compris, maman. S'il vous plaît, emmenez-moi les bois aujourd'hui. Hein? J'en ai vraiment besoin. Je sais que tu es très fatigué. Maman, mais il a des fagots dans la cuisine. Non? Il faut utiliser ça d'abord. Demain, on ira en chercher. Pourquoi pleures-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis finie. Ma vie est devenue au bout. Peux-tu arrêter de pleurer et me dire qu'est-ce qui ne va pas? Vas-y. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Prince Nedou m'a fait arriver au bout. Prince Nedou? À cause de lui, ma vie qu'est-ce qu'il t'a fait? Inutile. Dis-moi.
Comment? Il a fait des 100 000 autres fois pour m'amener dans son coin. Il m'a violée. Quoi? Ils t'ont violée? Il m'a violée. Oh mon Dieu. Donc ce que j'entends pour le prince est vraiment vrai. Je n'en peux plus. Je ne saurais pas vivre. Je comprends ta douleur. Ça suffit. Je n'ai personne à qui je peux aller plaider arrête ma de pleurer, cause. Arrête de pleurer. Dieu va combattre pour toi. Hein? C'est fini. Même tes parents ne seront pas contents. Ah oui, ils sont. S'il te plaît. Fini, ils vont combattre pour toi. C'est fini. Arrête de pleurer. Hein? Salut. Je te salue. Amarachi. Oh non. Garde tes salutations. Oh non, qu'est-ce que tu as fait pour le cas de ma fille? C'est juste parce qu'elle n'est pas ici d'une famille importante. Je te demande, réponds-moi. Pourquoi tu cries comme un oiseau qui s'échappe du cage? Oh non, je parle de ma fille. Tu sais ce que ce vaurien de prince a fait à ma fille. Et qu'est-ce que tu as fait à propos? Madame, tu dois savoir que je suis le plus jeune honneur dans cette communauté. Et personne ne crie sur moi, pas même dans ma maison. C'était à cause du cas de ta fille que le cas ici était venu chez moi ce matin. Le roi devait venir ici hier, mais ils avaient des problèmes à régler. Au fait, madame, maman Oluchi, c'était à cause du prince de ce royaume que nous nous étions rassemblés. Et donc, arrête de crier, de fulminer. Oh non, je jure sur la tombe de mon mari. Si cela devient un problème pour que ma fille se marie. Oh non, tu me connais. Tu sais ce que je peux faire. Oh non, je ne te laisserai pas faire. Oh non, tu dois faire quelque chose. Oh non, je connais cette femme très bien. Oh. Elle risque de réagir mal. Tu fais le cas. Je la connais aussi. Mais tu te souviens que le roi dit qu'on l'excuse. Ok. Oh non. Je vais informer les autres. Fais-le s'il te plaît. Okay. Et j'informerai aussi ceux qui sont autour de moi qu'on a une réunion aujourd'hui à midi. D'accord. Oh non. Merci. Ouais. Comment vas-tu et quel est ton nom? Je suis Ada, la fille de Onooneka. Oh, d'accord. On dirait que vous revenez du marché. Oui. Ok, vous pouvez monter, je vais aller vous déposer. Mon prince, non, désolé. Je ne peux pas accepter. Je préfère continuer à marcher à pied. D'accord, d'accord, je comprends. Alors, je t'invite au palais. Viens me voir après, à tout moment dans la journée, d'accord? Pardon? Oui. Non, mon prince, de grâce, désolé, mais je ne peux pas. Je suis vraiment désolée, excusez-moi. C'est déjà fini? Mon prince, Ada? Mais Ada, attends-moi, non? Mais Ada, attends, non? Ada, je te cours après. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as quitté le prince de cette manière? Je pense que ça l'a beaucoup déplu. C'était pas correct de ta part. Pour l'amour du ciel, je ne veux pas avoir cette conversation. Il faut que tu te le mettes dans la tête. Vraiment? Donc, fiche-moi la paix. Nous parlons d'un prince de nos terres. Qui est aussi un voleur. Ok? Si pour toi c'est si important de savoir ce qu'il avait à me dire, alors tu peux retourner pour aller l'écouter. C'est pas avec moi qu'il veut parler. Ozoma. Bon après-midi, papa. Bonsoir. As-tu dit le prince Ifani? Oui, papa Ono. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Parle-moi maintenant! Il m'a dit qu'il voulait que j'aille le rencontrer au palais.
Ozoma, merci beaucoup. Je vais gérer ça. Bien. Bon, à plus. Qu'est-ce que tu as dit? Tu iras définitivement le voir. Papa, tu sais que non. Ouvre tes oreilles et écoute-moi très bien. Pour la cause de Dieu, tu disais que personne ne t'approchait. Mais maintenant, le prince Ifani est en train de t'approcher. Et tu fais encore i. Tu dois le marier. Et tu dois aller le voir là où il t'a demandé de venir le voir. Sinon, cette maison ne contiendra pas nous deux. Je ne peux pas faire ça, papa. Toi-même, tu ne peux pas m'arrêter d'être roi pour la cause de Dieu. Ne me connais-tu pas, ton père? Je suis bishop par nature. Le seul éduqué dans toute cette communauté qui a étudié à l'étranger. Et tu fais ceci, ne peux-tu pas voir, ne serait-ce qu'une fois? Tu dois aller. Papa, moi je n'irai nulle part. Je dis, moi je n'irai nulle part. Mais dis-moi, pourquoi tu veux me faire subir tout ça, hein? Pourquoi tu veux me faire ça? Pour l'amour du ciel, je ne suis pas intéressée par lui. Si tu veux satisfaire tes besoins égoïstes, tu n'as qu'à le faire par toi-même. Laisse-moi dehors de ça. Je le veux pour toi. Écoute-moi bien, tu ne peux pas m'empêcher d'être roi. Tu m'as appelé maman? Oui. Nous partons quelque part. Entre dans la voiture. Ah, le père a une réunion avec nous. À midi, et ça se passe dans 45 minutes. On peut toujours le faire après. Ah. Entre dans la voiture, on part vite. Mère, je ne veux rien rater de tout ce qu'il a à dire. Et si on n'arrive pas tôt? Peu importe la raison pour laquelle tu fuis ton père, tu vas toujours les rencontrer. Et si ça se fait, tu ne vas pas seulement rater ce qu'il a à te dire, mais aussi le trône. Oui, alors tu vas exactement faire ce que je t'ai demandé de faire. Je n'ai pas envie de beaucoup parler, alors entre dans la voiture, on part vite. Dépêche-toi. Allez, entre vite. Honnêtement, Igwe, je n'apprécie pas la façon dont il vous a toujours interrompu dans les réunions. Hey! Itché, Igwe, Onohu a une forte tête avec un grand cœur. Et parfois, j'ai comme l'impression de lui laisser la salle de réunion. Hein? Igwe? Non. Comment pouvez-vous lui laisser la salle des réunions? Non, ça ne peut pas se faire. Oh. En tout cas, pas pendant que je suis en vie. Hey! Igwe, je l'ai observé tous ces derniers temps. Et j'ai peur qu'il planifie un coup contre vous et le trône. Igwe, vous devez agir vite. Que les dieux nous épargne de ce qui va se passer si vous n'agissez pas vite. Ichi, combien de semaines nous reste-t-il pour l'événement? Seulement 2 semaines. 2 semaines? Oui, 2 semaines. Que les dieux nous viennent en aide. Je vous salue, Majesté. La table est servie pour vous, Majesté. Ok, merci. Itché, rejoins-nous. Igwe,
cette boisson me suffit. Oui, j'étais juste venu vous informer ce qui se passe. D'ailleurs, la réunion dans sa maison se tiendra bientôt. Madame, bon voyage alors. Bien, merci. Oui, Votre Majesté, les deux options données par le prince d'argent et de mariage, c'est bien, mais donne-moi le temps d'y réfléchir. Il n'y a pas de temps à perdre. Le docteur a dit qu'elle va bien. Bien, oh. Oui, ça va. Mais elle est toujours choquée émotionnellement. Tu as raison. Nous allons payer pour ça. Maman, s'il te plaît, on doit filer maintenant. On n'a pas assez de temps. Tenez-nous au courant de la santé de votre fille. Hein? Merci beaucoup. Prince, voici ma fille. Moi, je vais à l'intérieur. On se voit après. Merci, Ono. Ada, pourquoi cette mine? Y a-t-il un problème? Oui, vous êtes mon problème. C'est vous mon problème. Écoutez, peu importe vos plans avec mon père, je m'en fiche. Ok? Ne m'impliquez pas dans sa pitié. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas de vous. Ada, je pense que je t'aime. Sérieux? Mais dis-moi, pourquoi tu es très dur avec le prince du royaume? Et de quel plan parles-tu entre ton père et moi? Écoute, laisse-moi te marier. Et je te promets que je ne te ferai pas du mal. Vous avez des doutes? Qu'importe, moi je suis sûre. Je suis sûre que je ne vous aime pas. Ok, s'il vous plaît, alors partez de grâce. Je ne veux rien faire de stupide. Parce qu'on voudrait me marier un voleur. Tu dis quoi? Vous m'avez entendu. Comment ose? Écoute, si je t'aime, cela ne veut pas dire que tu as le droit de me parler n'importe comment. La prochaine fois que tu essaieras. Ada? Ada? Qu'est-ce que tu as bien pu dire au prince pour qu'il puisse s'en aller de cette manière furieuse? Je te comprends pas, en quoi ça te regarde? Dis-moi, en quoi ça te regarde? J'ai jamais demandé ton avis. Alors s'il te plaît, ne te mêle pas de ça. Est-ce que tu oublies que c'est l'un des princes de cette terre? Et alors quoi? Ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien, oh, ce n'est pas bien. Oya, tire-toi. Est-ce que tu es en train de me chasser? J'ai dit tire-toi d'ici. Oh, tu dis rester ici? Très bien, on va... Ah, est-ce qu'on doit en arriver là? N'importe quoi. Tu es en train de marcher majestueusement comme un chimpanzé. J'espère en tout cas que tu n'as pas oublié la réunion qu'on a chez Ono. Écoute, ne me traite pas de chimpanzé, je ne suis pas un chimpanzé. La même réunion vient de prendre fin il y a quelques minutes. Vraiment? Oui. Ah, Ichi Ndoka. Que veux-tu dire? Tu vois, regarde, il est à peine 12h30. Pourquoi avoir fini aussitôt? Ouais, c'était une réunion très brève. Ça a pris environ 39 minutes. Oui,
Tu vois, nous tous nous visitons Mama Uluche, puisqu'elle a perdu son mari aujourd'hui. Oui. C'est bon. Dans ce cas, laisse-moi rentrer et me préparer. Je vais vous rejoindre à l'hôpital. Nous rejoindre? Oui. Et s'il te plaît, fais un effort de maintenir ton temps. Écoute, le temps est un facteur crucial du développement. Et surtout dans de grandes hôpitaux. Pas de problème. S'il te plaît. Je serai là. Fournis un effort. Iche. Iche. Ah oui, c'est bon. Hein? Oui. Encore? Oui, ça va, c'est bon. Oui. T'es sûr? Gauthier, tu dis que tu ne veux rien. Vraiment, tu ne veux rien du tout. Je ne suis pas une étrangère chez toi. Oui, je sais bien, mais il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi tu t'inquiètes? Tu me connais bien, non? Relax. Je sais. Je ne suis pas contente. Qu'est-ce qu'il y a? C'est cette Adao. Qu'est-ce qu'elle a fait encore cette fois-ci? La question ne devrait même pas être « qu'est-ce qu'elle a encore fait cette fois-ci ?» Mais ça devrait être plutôt « qu'est-ce qu'elle va continuer encore à faire ?» Parce que c'est quelque chose qui ne s'arrête pas. Ça ne fait que se répéter. Parce que son papa est le plus jeune au nord de cette communauté, alors elle se prend pour être la plus belle de cette communauté aussi. L'autre jour, nous revenions du marché. Devine ce qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tourné le dos pour s'en aller. Ah, comment ça? Et ce qui est critique dans ça, c'est que le principe va vers elle pour le mariage et non pas une amitié. Mais elle n'arrête pas de le refouler. Elle a de la chance, oh. Oui, oui, elle est vraiment... Elle est très chanceuse, mais elle ne sait pas bien utiliser cette chance. Tu sais, elle, c'est mon amie. Oui, elle est mon amie. Mais quand je vois quelque chose de mal, je dois le dire. Et ce qui me fait mal, c'est que moi, j'aimerais que le prince me remarque, mais lui, il ne fait pas attention à moi. Mais elle, quelle opportunité, elle déconne c'est avec. C'est certain que son père n'apprécie pas le... Ne penses-tu pas? Son père? Oui, c'est possible. Il n'aime pas le prince. Si son père pouvait les enchaîner l'un à l'autre... Il les aurait enchaînés. Donc, ça veut dire que ça peut la blesser. On n'a pas à forcer, hein? Ada n'aime pas le prince. Elle doit être libre. Ok, bien. Donc, elle n'aime pas le prince ou parce qu'elle ne veut pas intégrer la famille royale. Est-ce que même toi, tu n'aimerais pas faire partie de cette famille? Qui refusera d'épouser le prince? Pourvu que tu n'aimes pas le même prince que moi. On va aller se retrouver tout à vouloir. Je vais me présenter chez le prince. Je vais le rencontrer. Compte pas sur moi pour te présenter. Je ne joue pas aux entremetteuses. Oh, tu ne veux pas? Ok, bien, je vais aller moi-même. Les rencontrer face à face. Et j'ai besoin de les connaître. Ne t'hasarde pas, oh. Ouais, qui est là? Qui es-tu? Bonjour. Qui cherches-tu? Je m'appelle Ada, je suis venue pour... Tu es venue faire quoi? Mon prince. Que fais-tu ici? Prince Ifeanyi, je suis venue pour présenter mes excuses pour mon attitude à votre égard. Je suis désolée, mais je suis quelque peu inquiète sur votre style de vie et ce qu'on en dit. Et je ne trouve pas ça bien du tout. Eh bien, je ne t'ai pas approché pour qu'on discute de mes frères, ni de ma façon de vivre. Mon style de vie est en fait le meilleur de tous les temps. Eh bien, je veux qu'on discute de toi, rien que de toi.
Tu es belle et intelligente. Je t'aime. Merci. Maintenant, faut que j'y aille. Mais s'il vous plaît, ne cherchez plus à me revoir. Laurent, Laurent. Les honneurs les plus jeunes. C'est moi, non, nous ne sommes pas deux. Ah, merci beaucoup. Je t'en prie. Nous avons fini la première partie. Et tu as bien fait. Ils vont nous entendre bientôt. Bien sûr. Crois-moi. Tu ne fais pas confiance à moi, mais jusqu'à parler de toi. Trop bien, honneur. Je dois te laisser. D'accord. Mais je ne serai pas loin. Je le sais. Si tu as besoin de moi... Appelle-moi, ok? Laurent, Laurent. N'oublie pas, je serai là. Ah. Hey. Le plus jeune Ono, le seul Ono le plus éduqué de cette communauté. Personne ne me rivalise. Et très bientôt, je serai le roi de ce royaume. Amarachi et Neka, vous savez quoi? Quoi? Neka, tu aimes beaucoup ça. Mmh, s'il te plaît, laisse-la parler. C'est quoi? Je t'entends, vas-y. Allez, arrête. Ce n'est pas le temps de blaguer. Vas-y, maintenant. Parle. C'est à propos d'Ada et le prince. Qu'est-ce qui se passe entre eux? Donc, ça veut dire que vous vivez dans ce royaume, mais vous ne connaissez pas ce qui se passe. Ma chère, vas-y, parle-nous. Ada a refusé la proposition du prince. Es-tu sérieuse? Très sérieuse, alors. Qui peut avoir une demande en mariage du prince et la rejeter? Elle est en train de faire une erreur très grave, hein? Bien. Ada, c'est une fille très jolie. Et elle a vraiment de la chance. Mais regardez-moi, n'est-ce pas que je suis jolie moi aussi, hein? Regardez ma taille. Dites-moi, ça ne convient pas au prince? Hein, vraiment? Oh mon Dieu! Franchement, j'ai besoin de ce prince. Je dois le rencontrer. Elle craque sur le prince. Regarde ma chère, je peux bien t'accompagner. C'est que moi aussi, avec je vais venir. Qui fallait avec toi? Allez, pardon, vous partirez de vous-même, à chacun son chemin. Attendez, oh. Attends. Tout ce que j'ai ici, hey. N'est-ce pas que c'est suffisant? Non, je vais te rivaliser à mes moi. Mes chers, et nous alors, nous ne sommes pas jolis? Il y a trois princes. Pour un toi, pour toi, un pour moi, et un autre pour allez, elle. Allez, arrêtez ça, laissez-moi, je vais d'abord aller le voir. Oh, dégage. Ma chère, arrête de rêver. Je vais bien aller avec toi, t'inquiète. Ok, comme chance. Je voulais. C'est prince, vraiment. Gare, décroche ton appel. Allô, prince. Lawrence, pourquoi tu ne réponds pas aux appels? Hein? C'est comment? Oui, je l'ai vendu à 15 000 naira. Quoi? 15 000 naira. Lawrence, tu sais quoi? Il faut le retourner. Je ne veux plus le vendre. Je suis désolé, prince. L'acheteur a voyagé. Et il n'y a rien que je puisse faire. Écoute, je ne le vends plus. Et faut pas me tenter. Tu sais très bien que je n'aime pas certaines foutaises. Si tu me tentes, Lawrence,
Je vais te tuer et rien ne se passera. Quoi? Essaies-tu de me menacer? Lorenz. Regarde-moi ce garçon. Il s'amuse avec le feu. Il fait comme s'il ne sait pas avec qui il a affaire. Eni, mon ami, mais comment tu es tellement concerné par cette histoire? Mais je crois qu'on avait un plan pour ce chien enragé, humain. De quoi est-ce que tu parles? N'est-ce pas l'affaire du viol de Prince Nedou? Écoute, Noma, moi je ne veux plus encore en parler. Je veux aller de l'avant. Je laisse entre les mains de Dieu. Alors arrête. Mais pourquoi non? Pourquoi tu jettes l'éponge? Il doit apprendre la leçon de sa vie. Et pourquoi tu veux laisser ça facilement comme ça? Pourquoi? Parce que j'ai mes propres raisons que je n'ai pas l'intention de te dire. Je crois que ce sont de bonnes raisons. Et tu avais dit à Tiki que tu as laissé tomber. Heya! Donc tout ce qui va se passer dans ma vie, je dois aller le dire à Tiki. C'est lui mon seigneur et sauveur ou quoi? C'est parce qu'il t'aime. Et il sera toujours avec toi dans toutes les situations. Et moi aussi je l'aime. Mais tu vois, pour ce cas ici, celui-ci, je ne vais le dire à personne. Alors laisse-moi tranquille. Tu es tellement têtu. Ok, bien, sois prudente. Et je le suis, merci. Tu sais que tu es mon ami. Dis-moi, quand est-ce que tu t'en vas? Tu es en train de me chasser d'ici. Ah, tu n'as pas fini de dire ce que tu avais à dire? Je ne vais pas partir. Ah, tu penses que j'ai à manger? Navré pour toi. Allez, tu le fais. Va prendre pour moi la nourriture. Va, que je t'apporte de la nourriture. Je n'ai rien à manger. Tu ferais mieux de partir. Il y a des choses déjà utilisées qu'on devait très bien en parler. C'était dans mon rêve. C'était une réunion familiale. Qu'est-ce que c'est? Dans 10 minutes, je dois aller suivre une émission à la télévision. Dis-nous pourquoi tu nous as fait venir ici. Apparemment, c'est son office qui nous cause de problèmes dans ce palais. C'est pourquoi? Lolo, Biko, dis tes enfants. Parce qu'en ce que je sache, mes enfants ne sont pas têtus. Le mien non plus. Dans ce cas, c'est mon fils qui cause des problèmes. En effet, mon fils est la cause de tous les problèmes. J'ai compris. Je vais conseiller à mon fils de demander pardon à son père. Bah. Pardon, faut me laisser tranquille. Moi, faut que j'aille suivre mon programme. Et alors toi, tu n'as pas un programme à suivre à la télé ou écouter la radio? Pourquoi es-tu resté ici? Je ne te comprends pas. Excuse-moi. Oh, il n'y a pas de problème. Tu es excusé. Les femmes. Qu'est-ce qui nous arrive? C'est quoi? Tchoko, mais qu'est-ce qui ne te va pas? Hein? Je te parle et tu marches sur moi. Tu te prends pour qui dans cette maison? Tu cries toujours, maman. Ah. Oh, toi, quitte-la. On s'excuse, madame. Oh, Tchoko, n'ai-je pas droit de crier dans ma maison et de te parler comme je veux? Je suis désolé, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis fatigué de tout ça. Oh, Tchoko. À chaque fois des bruits. Non, ça ne va pas. Mail. Oui, votre majesté. Oh, Gotchuko. Dépêche-toi, non? Viens vite.
Dépose ce pot et va me chercher les clés de contact. Je suis fatiguée de ce palais. Le bâton royal est encore perdu. T'imagines? Et à qui on va demander? Sans son bâton royal, le roi pourrait perdre le trône au profit de n'importe qui pourrait le ramasser. Moi, je crois que c'est l'un des princes qui a volé le bâton, avec l'air de vue de désordre. Toi, tu penses, mais moi, je connais qui l'a volé pour l'utiliser. Moi, je ne suis pas dans vos commérages. Tous ceux qui m'intéressent, c'est ma paix. Le reste, je m'en fiche. Pardon, je pars. Eh, hey, vas-y, bon débarras. Allez, mon amie, je la déteste. Elle pense être la mère de toutes. Mon amie, allons-y. Adam Abadi. Oui, Majesté. J'ai remarqué que tu commences à t'habituer avec mon fils, le prince Ifani. En fait, j'apprécie, mais est-ce que je peux demander une chose? Tu sais que Ifani est mon premier fils et l'héritier naturel de ce trône. Et quiconque l'épouse deviendra reine automatiquement. Et je pense que tu n'aimerais pas perdre cette opportunité. Oui, Votre Majesté. Encore, je ne peux pas le présenter devant les anciens à cause de son mauvais comportement. Mais aussi, le bâton royal qu'on utilise dans des circonstances pareilles a disparu. Et si on ne le retrouve pas, il n'y a pas moyen de procéder à une telle cérémonie. J'espère qu'on va le retrouver. Mais ton devoir est de rendre mon fils Ifeanyi un homme meilleur et plus présentable au public. Alors utilise ton pouvoir de femme et fais qu'il change. Tu m'as compris? C'est bien, Votre Majesté. Je vais faire de mon mieux à propos. Je suis sûr qu'il va changer. Votre fils est une bonne personne. Soyez calme, les choses vont changer. Merci beaucoup. Tu sais déjà qu'il est têtu, n'est-ce pas? Merci pour ta compréhension. Merci. Ok. Tu peux disposer. Merci. Garde! Comment as-tu pu être aussi stupide? Étais-tu saoul? Hein? Il a tapé sur mes nerfs. Et j'ai craqué. Tu l'as perdu, tu dis? Il est à présent mort. Et les gens sont en train de parler. J'ai appris d'une source sûre qu'elle a survécu. Oh, Seigneur. Seigneur. Regarde-toi maintenant. À plusieurs reprises, je t'ai dit d'arrêter avec ton mode de vie ici. Mais tu t'es entêté. Hein? Oui. Dieu merci, il a survécu. Regarde ce vieil homme. Bonsoir, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, êtes-vous perdu? Non. D'accord, monsieur. Où est votre maison afin que je puisse vous emmener? Aide-moi à me lever d'abord. Ok, maman, tiens, ceci, je vais l'aider. Merci, mon fils. Bonsoir, monsieur.
Merci, jeune homme. Je crois que tu n'es pas un ange. Est-ce que ça va? S'il vous plaît, monsieur, où est-ce que nous allons passer? Par-ci ou par-là? Ok, par ici. Maman, Amandine, je vais l'emmener à la maison. Trouve-moi à la maison. D'accord, maman, j'arrive. Ah, monsieur, est-ce qu'on peut aller? Amandine! Monsieur, maman, j'arrive. Monsieur, je vais aller voir ma mère, puis je viendrai vous emmener chez vous, d'accord? Faites attention, s'il vous plaît, ce lieu n'est pas du tout sécurisé. Je le serai. Maman, j'arrive, non? Pourquoi réagis-tu comme si je ne t'ai jamais envoyé de l'argent? Tu m'envoies de l'argent. Tu m'envoies 15 000 naira. Une défense entière d'éléphant? Hein? Ça, ce n'était pas une défense d'éléphant. C'est ce que l'acheteur m'avait dit. Ce n'est pas une défense d'éléphant, mais il l'a acheté. Si ce n'est pas une défense d'éléphant, pourquoi il l'a acheté? Pourquoi? Je ne sais pas. Lawrence, retourne la défense d'éléphant. Comme il a dit que ce n'est pas une défense d'éléphant, retournez-moi ça tout de suite. Impossible. Parce que je l'ai déjà vendu et l'acheteur est parti. Tu l'as vendu. Et celui qui l'a acheté est parti. On dirait que tout ce que je dis depuis, tu ne me comprends pas du tout. C'est comme tu as décidé de me pousser au bout. Lawrence. Ah. On se verra. Bonne route. Garde. Oui, votre, oui, votre majesté. Vous pouvez disposer. Oui, votre, oui, votre majesté. Oh non. Mon roi. J'étais convoqué. Parce que j'ai remarqué que mon fils, le prince Ifani, s'habitue avec ta fille. Je ne l'ai pas occasionné. Mais je vois cela comme une opportunité pour que toi et moi puissions renforcer nos liens. Mais tu dois vraiment contribuer en aidant ta fille à aimer et à épouser mon fils, Prince Ifani. Et elle sera automatiquement la future reine de ce village. Igwe. Je pense que tu vas apprécier. C'est très bon. Et tu auras une récompense. Une belle récompense. Igwe. Le grand roi de notre temps. Je vous salue. Je t'en prie. Igwe, sur cette question, soyez à l'aise. C'est un fait accompli. Au fait, Ada, ma fille, usera de son pouvoir en tant qu'une femme pour faire de votre fils un homme meilleur. Bien. Et Igwe, vous le savez bien que je suis le plus jeune Ono dans cette communauté.
est le diplômé de l'université de Oxford. Mettez-vous à l'aise, c'est un fait accompli. Igwe. Je te fais confiance. Merci, Igwe. Je te fais confiance. Merci, merci. Il l'a déjà fait auparavant. Donc il est capable de le faire encore. Il va le faire. N'est-ce pas, Joe? Ferme cette bouche! Ferme-la, ok? Que penses-tu que tu viens de dire? Regarde comment tu es venu au palais. Tu as oublié ton bonnet. Je l'avais dit autrefois. Tu n'as pas encore conscience que tu appartiens à ces conseils. Bêtise. Ces gens sont des vieux témoins. Itché, ils ne sont pas comparables aux jeunes. Dis-lui. Qu'allons-nous faire maintenant? Comme l'actuel témoin, ni d'avoir été trompé. Rien. Absolument rien. C'est un prince. Et il est de notre devoir de protéger l'intégrité de cette famille royale. Exact. L'intégrité de la famille royale. Et non l'intégrité des criminels. Non. Comment est-il parvenu à convaincre Olochi et les autres? Comment on peut soutenir un tel acte? Je ne sais pas comment ceci est arrivé. Mais je sais, en tant que le Ono, que tu seras révélé avec le temps. Peut-être qu'il devrait... Igwe. Igwe, Igwe, venez un autre jour, s'il vous plaît. Igwe, de quel jour parlez-vous? Mon couronnement. Igwe est en train de se perdre. Igwe, franchement. Le jour du festival. Le jour du festival. Mon fils. Oui, père. Qu'est-ce que tu as accompli dans la vie? J'ai étudié, père. Tu as étudié avec mon argent. Je veux dire, qu'est-ce que tu as vraiment accompli après les études? Rien, papa. Je suis en train de travailler sur mes projets. T'es en train de planifier. Tu planifies encore avec mon argent? Écoute-moi, laisse-moi te raconter une histoire d'un roi, Ifa Note, Africa. Il avait un si grand titre. Il a acquis une grande richesse, mais il n'avait qu'un seul fils. Et cet enfant-là était tellement têtu. Il méprisait les gens, ainsi que la coutume et la tradition. Et ce sujet l'avait haï. Son peuple ne l'aimait pas. Il ne voulait pas qu'il accède au trône après son père. Différemment, son père était un bon homme. S'il faut que tu donnes un conseil à ce prince, qu'est-ce que tu diras? Vas-y. Papa, je vais lui demander de persuader son père pour qu'il fasse de lui roi. Contre la volonté de son peuple? Oui, étant roi, il est capable de faire tout ce qu'il veut. Et si dans ce processus, le père meurt? Comme ça qu'il fasse arrêter tous les traîtres et tous ceux qui sont contre lui. Ah, contre le testament du père? L'ancien roi est parti et ça appartient au nouveau roi de faire sa loi et voilà. Je vois. Père, j'ai acheté presque tous mes besoins avec mon argent. L'argent que tu as volé de ta mère et moi? Père,
je lui conseillerai d'aller de l'avant, car il est seul dans cette course. Mais le roi a un frère. Même si le roi a un frère, il le tuera en un rien du temps pour la même raison. Et avec qui va-t-il se réjouir avec toute cette prospérité qu'il aura prise après cet acte sanguin? Ses femmes et ses enfants, bien sûr. Va m'appeler tes frères. On aura une petite réunion, une courte réunion en fait. D'accord. Après la discussion qu'on a entreprise, je peux voir que personne d'entre vous n'est prêt pour le changement. Et je vous donne juste une semaine pour changer et ajuster votre habitude. Car je ne peux pas continuer à élever des violeurs, des drogueurs et des voleurs dans mon palais. Vous allez tous quitter le palais. Pour un temps. Où irai-je, père? Je n'ai pas d'argent avec moi. Ne me demande pas où tu vas, parce que ça m'est égal. Mais de toute façon, je vais disponibiliser 500 000 naira pour chacun, histoire de débuter une nouvelle vie. Mais c'est trop petit, père. C'est bien fait, papa. Dis pour toi, frère. Je parlais à mon père et non à toi. Contrôle ta langue, ta façon de me parler. Silence, silence. Ça va. Vous allez recevoir les SMS de la banque. D'ici là. Et j'aimerais que vous sortiez de ce palais avant que la nuit tombe. Je suis le premier fils. Donc vous pouvez partir. Vous pouvez partir. J'ai une réputation à protéger. Si je ne reçois pas cet argent-là, j'irai nulle part. Toi avec ton afro que tu as sur la tête là. Le roi est très confus et tout le monde le sait. Ada, tu prétends comme si tu n'es pas de ces royaumes? C'est connu que le roi ne sait pas qui présenter comme héritier de ses trônes. Je me demande, est-ce que ça sera le violeur, l'alcoolique ou le voleur? Les filles, moi j'en ai marre de ce palais. Si seulement je pouvais partir, mais je n'ai pas le choix. Cette histoire devient de trop. Je rentre dans mon poste avant qu'une personne nous attrape ici. Pardon, j'ai mon travail et je ne vais pas le perdre, pardon. Allons-y. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Hey. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qui te court après? C'est Chiki, je l'ai avec une autre fille. Mon Chiki, mais qu'est-ce que tu racontes? Ils sont là. Mon Chiki! Mon Chiki, il sait ce qui s'est passé. Hein? Oh. Bébé, qu'est-ce que tu dis? Tu as déjà entendu. Ah, comment peux-tu dire une telle chose? J'ai quitté la ville pour venir ici et tu n'es toujours pas contente. Non, je n'ai pas dit ça. Ah. Tu sais que je t'aime beaucoup. Chiki! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour mériter que tu me traites de telle sorte? Bébé, dis-moi, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bébé, qui est-ce? T'inquiète, je vais la gérer. Que fais-tu ici, Olochi? Que fais-tu ici? Mais mon amour, tu as dit que tu allais passer me voir il y a 2 heures et je t'attendais et je m'inquiétais. On m'a dit que tu étais ici et je voulais te voir, je voulais... Dis-moi... Ne me touche pas, n'ose même pas.
Tu as laissé le prince te violer et il a acheté ton silence avec l'argent. C'est quelque chose que je ne peux pas accepter. Mon chéri, je n'ai pas pris d'argent venant de lui. Je n'ai rien accepté. Alors tu dois être très stupide. Tu dois vraiment être stupide. Non. Parce que le prince que je connais... le prince que je connais ne te donnera rien. N'importe quoi. Mon amour, je suis désolée. Pitié. Désolée, mon œil. Allez, je suis désolée, je t'en prie. Ne me fais pas ça. Je t'en supplie, mon ami, ne me fais pas ça. Reviens. Arrête de pleurer. Hein? Avec une gamine comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? S'il te plaît. Ça va. Arrête de pleurer. Qui est-ce? Arrête-toi là. Lolo, je suis venue voir le prince. Mais, s'il te plaît, calme-toi. Le prince n'est pas à la maison. Quel est le problème? Tu me demandes? On a conclu un deal. Il nous a donné deux options. Maintenant, j'ai décidé... qu'il épouse ma fille. Ah. Mais tu avais appelé pour demander l'argent. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas voulu m'écouter. En plus, il m'a dit de ne plus l'appeler au téléphone. Oh, ok. Dans ce cas, dès qu'il revient, je vais lui dire, vous pouvez rentrer. C'est le mieux à faire. Sinon, ce village ne nous contiendra plus. S'il refuse d'épouser ma fille. Nous allons trouver la solution. Partez. Pardon. Allez lentement. Prochainement, ne leur permets pas d'entrer ici. Pardon. D'accord, ma reine. Bien. Quel est ton problème? Méfie-toi de moi. Qu'est-ce qu'il fait ici? Bienvenue. Je demandais d'après vous aussi. Asseyez-vous. Bienvenue, monsieur. Monsieur, j'étais revenu le jour là, mais je ne vous avais pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un m'avait aidé. Ah. Ok. Monsieur, vous avez une maison ou bien une famille? Non. Je suis seul. Tout seul.
Ah, ok. Vous pouvez venir habiter chez nous ici. Je vis ici avec ma grand-mère. Où tu es, mon petit frère? Oui, vous pouvez venir rester avec nous. On va vous aider à tout faire. Tout ce que vous voulez, il faut le mentionner. Merci. Mes enfants, merci. De rien, monsieur. Uche, amène-le à l'intérieur pour qu'il puisse se reposer pendant que j'aille lui trouver quelque chose à manger. D'accord, grand frère. Monsieur, je vais aller vous trouver quelque chose à manger, d'accord? J'arrive, hein, j'arrive. Où est-il? Il n'y a plus de voiture, aucun garde dans ces palais. Mais ça, c'est de votre faute. Si vous aviez déjà quitté ce palais, ça n'allait pas nous tomber dessus. C'est ton fils qui nous a mis dans ces pétrins. Il a encouragé les autres d'agir de cette façon. Stupide garçon. Ferme ta grande bouche. Pendant que mon mari est porté disparu, toi tu es là à insulter mon fils. Mêle-toi de tes affaires. Taisez-vous, taisez-vous! Et si le voleur était resté, il allait voler tout l'argent qui se trouve dans ce palais. Priez que rien n'arrive à Igwe. Sinon je vais... Mais... As-tu trouvé mon père? Où est-il? Igwe est introuvable, mon prince. Nous avons cherché partout. Il n'est pas là. Tais-toi! Dis-moi pourquoi tu l'as laissé quitter le palais comme ça. Dis-moi pourquoi. Ma reine, il est parti avec... Ichie Uchenna, et nous a ordonné de rester. Alors dans ce cas, va dans la maison d'Ichenna. Tu vas les trouver là-bas. Toi, fou! Ma reine, j'étais là-bas. Mais je ne l'ai pas vue. J'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que mon mari n'est pas mort. Non, ma reine. Quelques jeunes veulent détruire le palais. Si le roi n'est pas de retour. Quoi? Est-ce que ça va chez eux? Est-ce qu'ils ont perdu la tête? Qu'ils n'osent même pas? Quelqu'un ici connaît cette situation. Évidemment. Ton fils. Ejimoku, Ejimafu, Amelam, je suis venu pour prendre ce qui m'appartient. Ouais, ce qui m'appartient de droit. Quoi? Rejeté? Ah! Est-ce que ça dit que ceci est faux? Pourquoi tu m'as fait ça?
Au secours! Au secours! Au secours! S'il te plaît, dépêche-toi! Pousse! Vas-y, pousse! Il arrive! Oui, encore, pousse! Vas-y! Pousse! Vas-y, oui! Il arrive! Il est déjà prêt! Vas-y, pousse! Encore plus de fort, vas-y, pousse! Tu n'auras pas un enfant! Vas-y, pousse! Encore! Pousse! Encore, pousse! Vas-y! En tout cas, pitié. Qu'est-ce qui va devenir ce bébé? Elle ne m'avait même pas dit son nom. Même d'où est-ce qu'elle provenait. Maman, tu m'as raconté cette histoire à plusieurs reprises. Et tu sais comment ça me fait sentir chaque fois que tu me la racontes. Peut-être que c'était le souhait de ta mère, que ton père te retrouve. Alors raconter l'histoire, c'est la seule solution. Mon fils, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Jeune fille, vas-tu arrêter de crier? Ici, nous sommes dans un palais royal et non dans un asile de fous. Allez, dégage. Donc, vous me traitez de folle? Ça ne dérange pas. Le violeur! Le violeur vient ici! Arrête de crier, c'est un palais ici. Je ne te demande pas de ne pas aller voir. Mais ça, c'est un palais, tu ne peux pas crier comme ça. Prince, quand une personne est en train de blaguer avec sa propre vie, ne venez pas risquer la vôtre. Ne faut pas! Allez, viens par ici, le voleur, viens ici! Tenez! Arrête de crier! Tenez-vous loin de moi! Vraiment, évitez-moi! Je ne... Madame, quel est ton problème? Hein? Tu ne peux pas me laisser en paix? Garde! Fais la sortie d'ici! Oh non, il ne va pas me toucher avant que je n'en finisse avec toi! Hein? Tu n'es qu'une bête! Un salaud! Un menteur! Et moi, je suis venu ici pour en finir avec ta vie! Oloji! Oloji, c'est quoi ton problème? Mon fils ne veut pas t'épouser. Pourquoi ne pas le laisser tranquille? Pourquoi être étonné par les oiseaux de même plumage? Vous deux l'avez dupé, ma mère et moi. Et là, vous faites semblant comme si de rien n'était. Écoute, je ne te permets pas de me parler de la sorte chez moi. Garde, fais-la sortir d'ici. Oh, c'est bon, non. Pas nécessaire. Je veux m'en aller seule. Mais avant que je ne parte, il faut que je te parle à toi, mon prince. Tu n'es qu'un vaurien. Tu n'as en toi rien qui se rapproche du genre d'homme avec qui je veux passer ma vie. Tu n'as rien du genre d'homme avec qui je veux... Fais-la sortir d'ici maintenant, je te parle. Non. Laisse-la parler, mère. Laisse-la parler. Madame, si ce n'est pour une chose, je t'aurais emmené dans la brousse et violé tout putain de trou sur ton corps. Parce que tu n'es rien d'autre qu'une stupide, pauvre villageoise. Sors d'ici. Oh, tu n'es qu'un salopard. Un fou. Une crapule. Sors d'ici.
Quoi? Que penses-tu faire? Hein? Mon prince, s'il vous plaît. Mon prince. Na. Mon prince, s'il vous plaît, je suis là. Mon prince, parlez-moi. Na. Parlez-moi, mon prince. Mon prince. Na. Mon prince, s'il vous plaît. Mon fils. Mon prince. Mon fils. Mon prince. Mon fils. Lâche-moi. Faux violeur. Je vais dire à tout le monde ce que tu m'as fait. Imbécile. Garde. Violeur. Tu es un homme mauvais. Dieu te punira pour ta cruauté. Tu payeras. Salut, mon prince. Salut. Tu peux partir. Ok, merci. Je veux te voir dans ma chambre. Tout de suite, ouais. Salut mon prince, vous m'avez appelé. Salut ma chère, comment vas-tu? Oui, ça va bien, vous m'avez appelé. Oui, je t'ai appelé, assieds-toi. Viens, allez, viens t'asseoir ici. Hein? Comment ça va? Oui, ça va. Comment va ta mère? Elle va bien. Et ta soeur qui a voyagé, elle est de retour? Oui, ça va. Laisse-moi t'offrir un peu de jus pour un accueil spécial. Je t'ai réservé quelque chose de spécial. Non, merci mon prince. Qui t'a dit qu'on rejette une offre d'un prince? Allez, prends ça. D'accord, merci. Dis-moi, comment vas-tu? Je vais bien. Mais ça me fait plaisir de t'avoir ici, hein? Jolie demoiselle. Toute partie est tellement jolie. Ah, je pense que tout va bien. Oui, ça va bien. Mais tu peux t'allonger si tu veux. Hein? Tu vas bien? Hein? Vraiment? Désolé. Hein? Tu vas bien?
Et Woche, laisse-moi te demander. Pourquoi Prince Ogo nous a chassés du palais? Mon frère, je n'en sais rien. Je suis confus. Même moi aussi, je suis tellement confus. Je ne sais plus quoi faire. Parce que là-bas, c'était l'unique endroit qui me permettait de prendre soin de ma mère malade. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Il a dit que nous sommes trop petits. Trop petits? Franchement, nous sommes trop petits, pourquoi? Non, regarde-nous. Sommes-nous petits pour être gardes? Mon frère, peut-être qu'on doit retourner au palais et demander cela au prince, ok? Sommes-nous vraiment petits? Écoute. Oui? Je suis tout de même content. Parce que le comportement de ces trois enfants-là des Igwe, ça ne me plaisait plus. À chaque fois, ils nous tapaient, ils nous insultaient. C'est comme si nous étions en prison. Et pourtant, nous étions au palais. Qui est qui je vois là? Mes chers gars, je vous ai dit, il faut qu'on reste dans ce village. Il faut qu'on reste ici. En cognant ces petites, hein? En la cognant, en faisant notre petite vie. En s'amusant comme il faut. Hein? Vous avez dit que c'est là où vous êtes censé être. Quitte-la. Regarde comment vous êtes maintenant. Hein? Regarde comment vous êtes. Dégage. On vous a parlé. Vous avez refusé. Voici le résultat. Vous êtes de retour. Hein? C'est la misère qui va vous tuer. Vous n'avez rien vu encore. Des idiots. Des vrais idiots. Emmenez-moi au palais. Quelle affaire as-tu avec la famille royale? C'est vraiment très important. Emmenez-moi au palais. Je n'ai aucune affaire avec cette famille. Maintenant, si. Tu auras désormais une affaire avec la famille royale. S'il vous plaît, je vous en prie. Emmenez-moi au palais. Uche. Maman. Amandi. Oui, maman. Vous pouvez l'emmener au palais. Et moi, je me prépare. Je vais vous rejoindre après. D'accord, maman. D'accord, maman. D'accord, allons-y, monsieur. Tiens-moi. Ne fuis pas, ne fuis pas. Viens ici, viens. Tu vois, viens, Ono. On te tient. Qu'est-ce qu'il va pas? On sort par ici. Quel est le problème? Avance. Oh donc, Ono, c'est toi le responsable de la mort de Monsieur Lawrence, ok? Non, il n'est pas mort, il a disparu. Mais nous avons trouvé son corps sans vie où tu l'avais caché. Je n'ai tué personne. Ferme-la. Je dis ferme-la, Ono, ok? Et qu'est-ce que tu fais dans sa maison? Oh, 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 oh. Et donc, tu voulais laisser tes choses machiavéliques sans trace, hein? Tu me fais beaucoup rire parce que tu peux tromper n'importe qui là. Mais moi, tu ne peux pas me tromper. Je suis Ono, je n'ai tué personne. Ça, tu vas l'expliquer au palais. Allons-y. Attends, attends mon cher. N'est-ce pas le bâton que Hugo cherchait là? Hugo doit apprendre ça. Allez, on avance. Allez, avance. Ouvre ce portail sans tarder. Ici. Ah ah. Hey. Ah ah. Ma
Chérie, dis-moi, comment vas-tu, non? Ah, ça va, oh. Et toi, comment? Je suis à moi, là-haut. Anne, hein? T'as pas entendu? Entendu quoi, non? Le Onohou a volé le bâton royal de Igwe. Hey. Oui. Onohou a vraiment fait ça. Onohou. Hey, hey. Et maintenant que nous parlons ici, on aurait tout vu dans ce village. Les gens ont entouré la maison de Igwe. Il y a tellement de gens qui ont entouré très le palais. Très bien fait. En tout cas, j'aime ça. Moi, si je vais être là, entendre la punition qui lui sera donnée. Moi aussi, yo. D'ailleurs, partons même maintenant là-bas au palais aussi. Allons-y. Partons voir ce qui se passe. Hé, hey, allons-y, viens, ma chérie. Mon ami. C'est vraiment terrible ce qui se passe là-bas. Tape-les, ne les laissez pas. Tape-les encore. Faut les taper. Un sorcier. Un vieux sorcier. Malchance. Espèce de malchance. Méchant. C'est un méchant celui-ci. C'est ta fin aujourd'hui. Faut les taper. Mon peuple. Je vous salue. Garde. Oui, votre majesté. Onohou, je me rappelle t'avoir prévenu plusieurs fois de ne pas faire en sorte que je perde la confiance que j'ai en toi. Maintenant, te voilà. As-tu quelque chose à dire? Igwe, ce n'était pas moi qui ai volé votre bâton royal. Mensonge, c'est Ifan qui l'a fait. Mensonge, parce qu'il a volé, il l'a vendu. Pourquoi l'as-tu acheté? Je voulais être le roi. Il y avait combien de gens dans ce complot? Combien d'entre vous avaient comploté? Chiweka et Chimadou. Il a été corrompu. C'est un méchant. C'est un sorcier, ce monsieur. Il devait avoir honte. Un vrai sorcier. Il doit mourir. Il mérite la mort. Et donc, vous avez comploté de renverser mon gouvernement. Si ce n'était pas pour les services rendus dans cette communauté, j'aurais demandé ta tête. Mais je préfère te donner moins que ça comme punition. Tu es de ce fait banni de ces royaumes. Hey. Oui, Igwe, c'est bien fait. Bien fait pour nous. Bien fait pour nous. C'est mérité. Igwe, je vais te dire Paris. Il ne reviendra plus ici. Je vous en prie. Qu'il parte. Il mérite. Pourquoi il faut le taper. Il faut le taper. Dégage. Et à ce qui concerne le méchant. C'est un sorcier comme ça. C'est un méchant. Allez, dégagez. Regarde celle aussi. Dégagez. Qui s'en fout de porter là-bas? Je suis déçu, Iweka, surtout à ton égard. Mais, par pitié, il vous est retiré tous vos titres et qualifications du royaume. Oui, exact. C'est vrai. Vous êtes des simples citoyens maintenant. C'est même ça. Vous deux, exécution. Donne-moi ça. Donne. Je dis donne. Donne tout ça. Igwe. Oui, exact. C'est mauvais. Très mauvais. Silence. Vous êtes au courant que j'ai trois fils. Mais je vous informe maintenant que ces trois fils sont des fils adoptifs. Ils ne sont pas ma belle femme. Igwe. La joie de ma jeunesse. Ma reine, je t'aime toujours et je t'aimerai encore. Mais je te supplie pour une chose, juste une chose. Permets-nous d'adopter un petit garçon déjà grandi. Écoute, si je rejoins mes ancêtres, quelqu'un doit continuer sous mon ombre. Nous avons beau essayer il y a des années maintenant. Nous avons beau essayer et j'apprécie ta loyauté. Tu as été loyal envers moi. Et Igwe, parlons de ça. Pourquoi ne peux-tu pas rester un peu plus longtemps? Nous sommes ensemble, ça fait beaucoup d'années. Et on doit donner la chance aux dieux pour refaire leur travail. Hein? Si les dieux répondent à nos prières,
nous le prendrons à tout moment. Mais pour le moment, faisons-le juste au cas où, par mesure de prudence. S'il te plaît. S'il te plaît. Bon, il n'y a pas de problème comme tu insistes. Ouais, du moins je pourrais avoir une tête apaisée. Tu vois, à chaque fois que je me rends au lit, je n'arrive pas à dormir à cause de cette stérilité. Il n'y a pas de problème. Chérie. Je vais le faire. Merci beaucoup, chérie. Majesté, avec tout mon respect, tu ne penses pas que l'adoption d'un enfant va nous causer davantage de problèmes? Pourquoi simplement pas un enfant qui soit de ton propre sang? Bien, tu as une bonne idée, mais l'âge n'est pas de mon côté. On ne se rajeunit pas de toute façon. Ça me prendra beaucoup de temps d'éduquer un fils à prendre des responsabilités royales. En fait, nous avons besoin de quelqu'un qui peut facilement assimiler la formation. Parce que tout peut arriver maintenant, je ne suis plus jeune, tu vois. Est-ce que tu comprends? C'est pour cette raison que j'ai besoin d'un fils mature. Si telle est ta volonté, mon roi, pas de problème. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Tu sais que je te fais confiance. Merci. T'es une femme royale. Merci, mon roi. Voilà un peu l'histoire. L'un d'entre eux, le prince Ifeanyi, est en détention à la police. Le violeur est parti avec sa reine au même moment. De toute façon, je suis heureux de vous annoncer que j'ai un fils biologique. Hey! Un vieux fils. Il s'appelle Amandé. Hey! Amandé est le produit de ma jeunesse. Sa mère était morte juste après son accouchement. Et cette femme Ezine a pris soin de lui jusqu'à aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous garde en tout cas. Vous êtes quelqu'un de Dieu. Alors, quoi qu'il soit arrivé, il est. Je pense qu'il est bien portant. Amandé est en effet l'héritier du trône. Il va faire son entrée au palais et les domestiques vont bien l'habiller pour qu'il soit décent, comme un prince. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui, votre majesté, j'ai une question. Mais comment est-ce possible que ce jeune homme soit votre fils biologique? Je me demande. Comment es-tu sûr que ce bébé que tu portes dans ton ventre est mien? Mon prince, je jure sur ma vie, cet enfant est le tien. Ne me fais pas ça. La dernière fois que tu étais venu ici, je l'ai nié. Qu'est-ce qui te fait croire que cette fois-ci je vais l'accepter? Je veux juste que tu aies soin de ton enfant, mon prince. S'il te plaît, ne me fais pas ça. Ce n'est pas mon enfant. Ce n'est pas mon enfant. Sois prudente, que mon père n'apprenne pas ça. Écoute-moi très bien. Je ne veux pas te voir près de moi. Je ne veux pas poser mes yeux sur toi. Va et ne rentre jamais. Ok, c'est bien. C'est bien. Mais je te promets que tu n'auras pas un enfant dans ta vie. Jamais. N'importe quoi. Alors, mon peuple, je vous présente Amandé. Il est maintenant le prince. Allez, viens. Attends, non? Si, viens ici, on va en parler. Ah, je suis désolée. Je suis très contente. Le roi est un homme vraiment très sage. Et finalement, l'héritier du trône est là. Ah, je suis très contente. Je suis contente, moi aussi. Mais la façon dont tu es excitée ne me dit pas que tu as des intentions pour lui. Hein? Laisse-moi t'avertir, laisse-moi te dire. Si tu as des intentions pour lui, le mieux serait d'arrêter maintenant. Je ne veux plus jamais rien te dire.
ça va aller. J'ai toujours su que mon père avait de mauvaises intentions. Et j'aurais jamais imaginé qu'il serait allé aussi loin. Avant de voler au roi son bâton royal. Et maintenant qu'il a été banni, qu'est-ce que moi je vais devenir? Je me retrouve maintenant toute seule, je n'ai plus aucun appui, même pas le prince. De toutes les façons, le mal à présent est déjà fait. Mais tu ne vas quand même pas te laisser mourir en pleurant. Je te suggère d'aller au palais. Et pourquoi faire? Allez, s'il te plaît, allons au palais. Allons-y pour aller supplier le roi. Et peut-être qu'il pourrait relâcher le prince pour que, au moins, tu puisses lui parler. Comment tu peux dire une telle chose? Et parce qu'en ce moment, on ne peut pas parler de ton père. Il a quand même été banni. Ojo, comment penses-tu qu'une telle chose pourrait marcher? Je sais pas. Le prince n'est même pas le fils légitime du roi. Je n'ai jamais aimé le prince, c'est mon père qui m'y avait forcé. Je sais. Moi, j'ai fait tout pour le satisfaire. Et voilà comment est-ce que lui m'a humiliée. C'est bon. Je suis abandonnée à mon triste sort. Non, ne dis pas ça, c'est bon, ça va aller. Ça va aller, les choses vont s'arranger. C'est bon, je te jure. Ça va aller. Tu n'es pas seule, tu m'entends. Tu n'es pas seule, ma chère. Allez, arrête de pleurer, sois forte.